Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé, en tout cas moi, j'ai pas encore mangé. Je suis en compagnie de mon très cher coach, Sofiane. Enchanté. Sof Coach sur Instagram, les gars, n'hésitez pas à aller le follow en balle. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, coach? Eh ben, tu vas manger comme moi. Pendant combien de temps? Pendant 24 heures. Pendant 24 heures, je vais manger comme mon coach, les frérots. Tu manges bien ou pas? Ouais, ça genre va. Le midi, tu manges des kebabs? Non, pas. On peut faire le 24 heures quand t'es en prise de masse ou pas? C'est pas la bonne, même ça, c'est pas la bonne prise de masse. Donc, putain. Non, regarde. Je suis dans la merde, les gars. Ouais. Ce qui est chiant quand je suis gros, c'est que je peux courir. Je me rattrape en marchant. En tout cas, merci à toi d'être là aujourd'hui. Je t'en prie. Il a fait le déplacement jusque Paris. Un grand merci à MyProtein, mon sponsor, de me soutenir dans mon projet de perte de poids et qui me permet aujourd'hui de réaliser cette vidéo. Je vais manger comme toi le matin, le midi, la collation et le soir. Et on va préparer tout ça et déguster tout ça ensemble. C'est ça. Alors, du coup, t'as pris flocon d'avoine. T'as avec quoi ça? Un bol de fromage blanc. Ah ouais? Ça a l'air bon. Wesh. Regarde-moi ça. Ok, ensuite, ça, c'est du pain complet. Du pain complet. Ouais. Regarde-moi ça, comment il est gourmand. Ça a bon goût. Et on va l'agrémenter avec de l'avocat. On va se faire des tartines d'avocat. Yeah. Un petit peu de citron par-dessus. Ça, c'est si t'aimes ça. Et un kiwi chacun. Ok. Donc, ça va être le petit déjeuner. Ok. D'accord. Et concernant à boire. De quoi à boire? De l'eau. De l'eau? Mais oui. Au déjeuner, on prépare tout ça? Ouais. T'as besoin de quoi? Un couteau? Ouais, couteau pour couper l'avocat et kiwi. C'est on va se faire des petites rondelles. Enfin, en vrai, c'est rapide. Hein. Ouais, c'est rapide. Je pensais que ça allait être plus chiant, plus. Non, là, on va Tu prépares? Ok, donc là, du coup, tu mets ça là-dedans? Ouais. Ou alors on met le fromage avant? Non. Bon, tu mets toujours le céréal avant. Hein. Okay. T'as ceux qui mettent d'abord le céréal et après le mets. Oui, c'est la même chose. La base, c'est les céréales. Hein. Là, ça, c'est pas liquide, ça. C'est pareil, ça va manger. Ok. Et on est d'accord ou pas? À vue d'œil, d'expérience. À vue d'œil, ça, c'est très bien. En plus, un gros bol, c'est donc un c'est euro à craquer. Un tiers du bol, quoi. Ça dépend le bol. Le tien, il est. Ok. Ensuite, on prend ça, on l'ouvre. Regarde-moi ça, comment c'est gourmand. Je te laisse gratter là un peu. Et la différence entre fromage blanc. Ça, c'est plus liquide. Ouais. Ah ouais, de ouf. 0% et l'autre. Regardez, les gars, la texture. Je te laisse. Un peu plus costaud, genre la bonne plâtrée de fromage blanc, vous prenez plutôt un fromage blanc qui est un peu plus gras. Mais après, vous mettez juste moins. Voilà, après, t'as plus qu'à mélanger. Regarde-moi ça. Ouais, c'est vraiment super bon. Ouais, après, le petit kiwi. Ouais, le petit kiwi. Après, tu veux une petite assiette? Ouais, c'est mieux, ouais. Normalement, la peau, elle part presque toute seule. Là. J'ai l'impression que j'épluche une pomme, là. Faut prendre des kiwis un peu plus mous. Ouais, surtout si tu les consommes tout de suite, tu vois. Ça donne envie, hein. Je vais la finir, la cuillère, là. Je vais goûter. Je me spoil ou pas? Ouais, on est pas mal, hein. Ouais, on est bien. Ensuite, donc voilà, t'as ton petit kiwi. Les kiwis, là, on les met aussi, hein. Ouais. Rajouter après, bon, on l'a pas pris, mais genre des baies de goji. Des trucs comme ça, là on a pris kiwi parce que vraiment ça peut faire plaisir au petit déjeuner, tu peux le varier, ça t'as pas le sentiment de manger toujours la même chose. Merci, merci mon commis. commis toujours. Moi je me fais déjà agale, les gars. Il m'a dit commis, en attendant c'est qui me fait à manger là. Ouais, je mange. Non, jamais comme ça. Pourquoi? Je voulais faire la technique autour là pour. Ah ouais? Bah si TikTok. Tu veux. Et là regarde, là je fais comme ça. Ouais. Ah non. Tu voulais faire quoi là? J'ai pas compris. Ah voilà. Voilà. Donc regarde comme il est bien mûr. Normalement juste après ça va sortir. Regarde-moi ça. Wow, c'est pas magnifique. Donc là il est bien mûr. On va se faire l'écraser. En fait c'est une moitié, c'est ça? Ouais, avec une fourchette c'est mieux en fait. Ah des tranchettes. Il y a une vie. Donc voilà, pour pas que ce soit trop pâteux, on va mettre un petit peu de citron. Et le reste du citron, tu sais, tu vas en faire quoi? Tu vas le mettre dans de l'eau. Voilà, du guacamole maison. Moi, j'ai pas rajouté d'épices, mais ça aura plus. Là, et là. Oui. Ah, vraiment, hein? On va faire la muscu, hein. Il en reste, là. Ah non, mais on a mis juste pour... Bah oui, oui. Okay. Allez, j'ai hâte que tu m'installes tout Go. Ça. Ça te donne faim ou quoi? Ah ouais. Et toi, Edwige? Ça va. Et vous, les abonnés, ça vous donne faim ou quoi? Certes, c'est un petit peu calorique, je crois que c'est autour de 50 calories pour 100 grammes d'avocat, mais c'est du bon gras. On a fini? Ouais, ça. Là, on est bon, nickel. Ok. Donc, petit déjeuner. Ouais. Donc, du coup, le petit récap. Du fromage blanc 0%. Ouais. Avec du kiwi. C'est pas une obligation 0%. Du pain blé complet avec des petites tartines d'écrasé d'avocat. D'avocat. Bon, on entend qui est ton sponsor qui arrive. Ouais.
on va se faire un petit supplément en protéines. Ok. Et pour pas que ça soit trop calorique, on va se faire une petite omelette. Ok. Donc là, pour le déjeuner, le petit déjeuner. Petit déjeuner. Il me faut une omelette. Dans l'omelette, il faut combien d'œufs? Ouais, un ou deux. Alors, faut savoir que l'œuf, c'est déjà environ 70-77 calories. Ok. Si tu prends un gros œuf. On va se faire deux œufs, allez. Ok. On va se faire deux œufs. Tiens, un petit conseil pour tes abonnés. Ouais. Si vous voulez cuisiner par exemple une omelette et pour pas que ça accroche à la poêle, vous mettez de la matière grasse mais sur du sopalin. Tu veux mettre quoi comme matière grasse? Ah, t'as soit peur, soit l'huile d'olive. Oh, regarde, exemple. Regarde. Non, je le mets. Attends. Quoi? Attends. C'est pas de sacrilège. L'huile, c'est combien de matière grasse? Je sais pas. Pourcentage? Bah 100%. 100%. 100%, très bien. Beurre. Enfin 90 à peu près, genre. 70%. Ouais. Donc à choisir entre de l'huile et du beurre. Du beurre. Tu mets là-dedans. Oui, je suis choqué, gros. Comme ça. Mais bon, si tu veux te faire un kiff, la gourmand, t'aimes bien. Non, c'est pas que sont le gourmand. Toi, pour toi, c'est plus sain. Ouais, pour moi, ouais. Ouais, mais c'est pas. Ouais, tu veux mettre une noisette? Voilà. Et alors, donc, sur du sopalin. Et voilà, comme ça, ça accroche pas. Et t'as pas mis beaucoup de matière grasse. Et ayez des bonnes poils aussi. On est bon? Là, on les met direct là? Faut casser les œufs. Fais pas d'omelette sans casser les œufs, voyons. On casse. Alors, les... faut que ce soit bien chaud. Merde. Là, normalement, c'est censé prendre tout de suite, tu vois. Bon. Ça prend moyen, quoi. Ouais, t'as vu? Ça va prendre. Honteux. Lui qui l'a perdu, pas moi. Bon, vous avez vu ce qu'il a foiré là? En dessous, ça collait pas. Faut que la poêle elle soit hyper chaude direct. Bon, on est bon là. On le ramène là. On va essayer de slider bien comme il faut. Ça va faire un petit brunch là. Ouais. Tout le monde là. Eh oui. Eh oui, garçon. Ok, place à la dégustation. Eh ben ouais. C'est le meilleur moment pour moi. On prie. Vidéo dégustation, les gars, en plein régiment. C'est hala de ouf. Du coup, on a le petit bol, bien. On a les petits trucs. T'as faim ou pas? Ouais. Un verre d'eau. Verre d'eau. J'ai trop soif. En plus, ça te... Non, ça t'ouvre l'appétit, ça réveille ton estomac. Donc, avant de manger, surtout quand tu viens de te lever, c'est très bon réflexe. Tu sais que moi, l'eau dès le matin, c'est impossible. Oh, parce que tu sais, t'as une haleine, tu vois, le matin. Mmh. Et j'ai envie d'un truc, en fait. Ça te rince l'estomac. Ça te rince l'estomac, ça t'ouvre l'appétit. Ton estomac, il est en sommeil comme toi. Alors, ça fait du bien, l'eau. Ouais. Tape l'omelette direct, non, là. Non. Quoi? Mais peu importe l'ordre où je le mange, non, coach. Mais, il me hagarde le coach, non, là. Non, c'est pas ça, c'est que coupe-le en deux. Pourquoi tu prends une grosse cuillerée? Ça, c'est des mauvaises habitudes. Faut déguster. Mais en fait, je veux le prendre gros comme ça, les gars. Prends ton temps pour manger. Parce qu'en fait, si je le prends pas gros... Oula, attends, j'ai zoomé, là. Ça coule. Ça mange pas proprement. Ah, tu veux te le faire, genre façon brique? Ouais. Allez, vas-y, s'il te plaît. Alors, trop bon. De l'avocat avec, mais... On peut très bien faire tartine. Là, tu commences avec cette quantité-là. Petit à petit, tu verras, tu seras calé avec à moitié moins. Est-ce que c'est bon? Oh, l'avocat, c'est hella de Est-ce que fou. Tu te régales? Ah. Faut pas croire être à la diète, c'est forcément te serrer la ceinture ou quoi. Hein. Ça, c'est ce qui me tente le moins, ça. Ouais. Goûte, tu verras. Ça a ramolli. Ouais, parce que les flocons d'avoine, ils ont ramolli. Ok, c'est bon comme ça? Ouais. Avec le kiwi, c'est meilleur. Pour ça, je te les ai mis avec. Hein. Tu sais que je vais pas tout manger. Hein. Déjà calé. Ouais, franchement, ouais. J'ai analysé si j'étais calé ou pas, parce que j'ai plus trop la notion du calé. Mais ouais, en quantité, tu fais moitié moins, t'es bien. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que t'as laissé, là, regarde. Dans l'assiette. Et dans l'assiette, j'ai laissé ça. Mais là, l'assiette, je vais la péter. Hein. Ah ouais, tu l'as pété quand même, celle-là. Elle donne trop envie, ouais. Ouais. Mais on a pu se faire la même quantité pour deux, quoi. Facile, hein. Donc voilà, les gars, l'assiette. Vide et le bol, il reste la moitié. On se donne rendez-vous dans combien de temps? 3 heures à peu près? Ouais, c'est ça. Il est très exactement 13h52. On a eu un petit peu de retard, mais c'est l'heure de manger. Et qu'est-ce que tu vas me préparer, coach? Qu'est-ce que toi, à midi, tu manges et tu veux me faire goûter? Ouais, je vais te faire goûter un petit truc classique, escalope de poulet, donc de la viande maigre, après ça. Viande blanche. Viande blanche, avec du riz couplet, ouais. Qu'on a acheté tout à l'heure. Et bon, je crois que ce soit trop sec, je t'ai agrémenté de un petit peu de crème légère, 15% de matière grasse, et une pointe de lait de coco. Pour voilà. Donner un petit peu de sucre. Moi, je te mets pas plus de 120 grammes. Bon, en quantité, c'est... C'est bon, parce que ça compte. On y va? Vas-y. Allez hop, on se fait une masterclass. Hein. Kiffe le plat là, toi? Ouais, c'est pas bon.
Ça, c'est pas le riz d'Inde à Tibonchette, là, il y a un petit peu de sauce, là. Ah, t'as dit que le changement, il devait pas être trop brutal. Ah, trop radical. C'est bon, tu vas pas tenir. Les oignons. Ouais, regarde-moi ça. Ça sent pas bon déjà. J'avoue que les oignons, c'est lourd. Enfin, la vapeur. Hop. Ah ouais, ça suffit en fait, 120 grammes de riz. Tu m'en mets un petit peu par-dessus, coach. Ouais. Attends, on va faire comme ça. Vous êtes prêts, les gars? Un beau dôme. 3, 2, un. Je pense qu'il a bougé. Bien joué. T'aurais dû faire cuisine. Ah ouais. Pa. Il est là le coach ou pas? Est-ce que tu crois en ma cuisine? Regarde-moi ça. Là je crois en mon ventre là. Là j'ai faim frère. En fait j'avais pas faim au début, pas trop. Ah ouais, l'appétit vient en mangeant. En mangeant, en regardant manger. En regardant faire la cuisine. Encore une fois, je sais pas si je vais tout manger parce qu'ils sont steaks, hein. T'as vu? Et je t'ai dit, hein, 100 grammes de poulet. Alors, cette petite sauce poivre crème légère et lait de coco. On va vous donner les recettes, les gars. Par contre, on a cuisiné devant vous, hein, donc vous avez les recettes. Et regarde, t'as vu 114 grammes de riz. Pas mal, hein. Je suis en train de découvrir des trucs, là. T'as vu, j'ai pas dosé la sauce, hein. T'as vu la sauce comment elle a... Le déjeuner et le petit déjeuner, je les valide. Il reste que 160 kilos. Putain, je vais devoir acheter tous mes habits. Ça va me coûter cher, hein. Merci. On se donne rendez-vous dans quelques heures, ouais, pour le dîner. Il y a quoi au menu? Au menu cabillaud avec haricots verts. On va essayer de faire ça au four. Okay. Et rondelles de citron. C'est voilà. Toi? Il n'y a pas besoin de plus. Bon bah du coup les gars, je vous dis à tout de suite pour vous, mais à dans 3 heures pour nous, quoi. 2000 years later. Classe au dîner. Au dîner. Le dernier repas. Ouais. Juste avant de commencer, tu m'as dit que entre le midi et le soir, on peut faire une petite collation. Une petite collation. Si, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la collation? Fruits à coque, une poignée, ouais. Des fruits secs, mais il faut que ça reste un mélange. Pas des fruits, secs, c'est des fruits normaux? Ouais, ou un fruit. Okay. Ça peut être un fruit. Après, banane, c'est calorique aussi. Une pomme? Voilà, plutôt pomme. C'est une pomme, ça calme, moi, perso. C'est un coupain naturel, c'est ça? Ouais. Okay. Faut que ça reste une collation et non pas un apport calorique conséquent. Du coup, voilà. Pour donc, ce soir, chef, cabillaud. Cabillaud, tout à fait. Accompagné de citron. Du citron. Rondelle de citron. La rondelle de tout à l'heure. Voilà. On gaspille pas. Citron Sicile. Ensuite, des petits haricots et coupé. Un petit peu de gras. On va mettre, pour ajouter un petit peu de gourmandise, entre guillemets, dans ce dîner. J'ai pas faim, genre c'est... Ça m'a calé déjà tout à l'heure, il y en a dans le frigo, j'ai pas fini. Est-ce qu'il faut chauffer le cabillaud quelque part? On le chauffe? Non. Ou comment? Papillote seulement. 90 grammes. C'est bien. Donc, petite petite rondelle de citron, je t'ai mis par-dessus. Ça claque ou pas? Si t'avais des... Oui, là, ouais. Ça me tue une heure. Ok les gars, c'est bon, la cuisson du dîner terminée. Mais juste un petit détail, le coach est parti les frérots. Pendant la cuisson, les minutes, ça tournait et il devait prendre son train pour rentrer. Sinon, il allait se coltiner une deuxième journée sans moi. Et c'était pas possible pour lui. Du coup, je vais sortir ça tout seul et déguster ça tout seul. Mais en tout cas, un grand merci à lui pour sa recette. N'hésitez pas à refaire les mêmes, les frérots. Ça, c'est les haricots. Oh là là. Ok, ça me donne pas envie. Ouais, c'est trop bon, les haricots. T'aimes bien? Bah oui. Sérieux? C'est giga bon. Oh. Mais là, c'est chaud. Ouais. On va voir la gueule que ça a, hein. Oh. Wow. Le petit citron, là. Machallah plus, hein. Les petites aubergines. Oh là, on va brocher ça comme une brocha kebab, là. Je mange ça. Bon, du coup, les gars, vu que le coach n'est pas là, c'est Edwige qui va me tenir compagnie. Edwige, je voudrais goûter en ça. Non, tu ne manges parce qu'après, c'est un... Non, mais goûter, goûter. Ah, tu me laisses pas chaud.
Non, en vrai, ça a l'air bon, je te jure, ça a l'air bon. En fait, ça a l'air bon, mais ça a l'air bon, quoi. Cabillaud au four. Ça a l'air bon. Il est bon ? Moi, je vais pas me croire. Tu manges ça ? On va goûter aubergine. C'est giga dégueulasse. Enrico, ça va. Putain, c'est des sacrifices quand même, hein, perdre de poids les refs. Hein. Putain, je me serais bien enfilé un petit tacos. Là. Je mange tout l'inverse de lui pendant 24 heures. Ouais, genre si je mange un giga tacos, t'es obligé de manger de la salade. Tu sais que je pourrais tourner à la salade tous les jours. Ouais, mais ton corps, il pourrait pas. Ouais, c'est ça qui est chiant. Les protéines et tout, le calcium et tout. Ouais, oh, je vais tourner au shaker My Protein, frère. Oh My Prod. Ah, My Prod. Ça va, c'est bon. Ah bah non, mais non, t'as pas recel aussi. Oh le bâtard. Il a dit, attends, je prends une boisson. Il a même pas dit, je prends à boire. C'est de l'eau. Je t'accompagne, ma gueule. Je peux pas boire de l'ice à côté de toi. Je peux pas faire le... Même si je suis un... Quand même. Là, c'est son dernier repas. Hein. Il a plus le droit de manger. Hein. Et la dernière bouchée. Chou papi. Putain, il a défoncé l'assiette. C'est bien. Hein. C'est bien, grand. Je suis fier de toi. Tu vas, bon. Tu vas aller loin, mon ami. On a terminé. J'ai mangé comme mon coach pendant 24 heures. Est-ce que j'ai réussi mon défi, Edwige ? Merci. C'est un... Sauf coach, est-ce que j'ai réussi mon défi ? Dis-le moi en commentaire et j'épinglerai ton commentaire. Sauf si il a le compte de son petit-fils ou de son chien et que ça a un truc, voilà. Je ne le ferai pas, mais dis-le moi en commentaire. Ouais, je fais des gros bisous. Un grand merci à mon sponsor MyProtein qui me soutient dans ma perte de poids, les frérots. Il n'y a plus de code Kenny, il n'y a plus de like, de ça. Tout pour MyProtein. Putain, dégage. Ils me soutiennent de fou, c'est les meilleurs. Dégage. Les liens en description, je compte sur vous, bombardez-moi tout ça. Fais des gros bisous, je dis bon appétit, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kenny, on va réussir ces 160 kilos les gars, à perdre. Gros ciao. Bisous. Ciao.